bien par rapport à, aux habitants qui se sentent un peu chez eux. Quoi. C'est ce qui les différencie des gros multiplex. Aujourd'hui, toutes les salles sont numérisées et c'est vrai que la suite logique de ça, c'est que maintenant tout le monde a une qualité de projection au top. Et maintenant, c'est aussi assurer le confort, la décoration, la remise à niveau du hall qui permet d'avoir aussi un environnement qui soit joli. Quoi. On est quand même un cinéma municipal, ici on est dans un contexte assez particulier, parce qu'on a des multiplex tout autour, Martigues, plein de campagnes, donc c'est assez compliqué de faire une programmation. Ici, à Châteauneuf, le seul bâtiment qui est ouvert le week-end, c'est le cinéma. Non, mais c'est important de donner des conditions qui soient intéressantes pour les spectateurs. C'est vrai que, notamment la notion de confort, j'ai vu que là, il y a des super sièges, c'est important. En 2015, nous avons souhaité que le CCAS prenne la gestion de ce bâtiment pour développer un pôle senior regroupant toutes les activités de la commune et faire de ce bâtiment un lieu unique appelé Maison des aînés. On peut venir à la Maison des aînés pour faire un dossier administratif sur par exemple un service à domicile et en même temps avoir toutes les informations sur toutes les animations qui se font à l'intérieur de cette maison sans forcément y avoir pensé. Le guichet unique des seniors nous a amené, surtout aux aînés de la commune, une facilité pour s'inscrire à leur activité, au voyage, aux sorties, que fait aussi bien l'entraide que le CCAS. Alors, l'avantage d'intervenir dans la maison des seniors qui est un guichet unique, et ça nous facilite énormément en fait le repérage des personnes à aider. On fait aussi de la prévention. Et ça, je crois que c'est une vraie plus-value
d'avoir une permanence sur la maison des aînés. Je suis partenaire donc du CCS de la ville de Châteauneuf-les-Martigues pour pouvoir mettre en place des actions de prévention santé à destination des seniors. En 2018, on a mis en place 6 actions. Ça a touché à peu près 80 seniors. Et là, on vient justement de travailler avec Madame Annie Barrière pour la programmation 2019 et ça devrait perdurer et continuer avec plaisir. Les seniors ont plus de chutes, moins de motricité et justement on veut éviter, on veut les garder le plus longtemps possible à leur pleine capacité en fait, physique, mentale et motrice. Donc c'est vrai qu'entre la prévention, le loisir, un renseignement qui doit être donné sur un maintien à domicile, chacun je pense y trouve son compte en venant ici. En plus on les accueille de façon conviviale, on reste une maison en quelque sorte et ça plaît beaucoup aux gens. Pas mal de monde ici parce que c'est vrai que lorsqu'une personne pense à une création d'entreprise, on pense consulaire. Donc on est à la première démarche que vont faire les porteurs d'idées dans un premier temps, où on essaie de répondre effectivement à cette demande par des réunions d'information collective ou des rendez-vous individuels, et ce qui permet effectivement sur les stands comme aujourd'hui de faire un premier entretien découverte où on va commencer à diagnostiquer des besoins qui leur permet de donner un fil conducteur pour avancer donc sur leur idée. Ça faisait vraiment sens pour nous d'être présents aujourd'hui à Châteauneuf-les-Martigues justement pour rencontrer de nouvelles idées, de nouveaux entrepreneurs sur cette région en localité proche de Marseille où nous sommes nous établis. On a un département, une région qui permet justement de motiver les initiatives économiques. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur proposer l'ensemble des structures pour les accompagner, la nôtre et tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui. Alors on participe à ce genre d'événement d'abord en tant que partenaire commune de Châteauneuf. Et à titre plus personnel, le réseau Initiative cherche évidemment des projets qu'on peut financer qui sont intéressants. Et dans ce genre de trophée, on peut trouver des pépites à financer. Donc c'est intéressant pour nous. Alors en fait, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la formation Boost ton projet avec la ville de Châteauneuf-les-Martigues où en fait pendant plusieurs demi-journées, on a été accompagnés par des experts pour pouvoir affiner, réfléchir notre projet d'entreprise. C'est un immense honneur, très, très heureux, très fier aussi d'avoir remporté ce prix en plus dans une belle catégorie. Il y avait de beaux projets, il y avait beaucoup d'énergie et de beaux entrepreneurs, donc c'est un plaisir d'être parmi les nominés.